pour passer sur la scène de stream d'hiver. Et ben voilà, c'est parfait. Switch lag. Ok, ça, ok, c'est pour te faire laguer. Donc on avait fini le premier labyrinthe et on devait se faire le deuxième. Et on est au début du deuxième labyrinthe dans les airs. Attends. Petite lubie permet de faire fonctionner n'importe quelle manette clavier sur n'importe quelle console ou PC. D'accord. Alors attends, on va switcher là. On va... Tableau de bord. Je vais juste changer le truc du stream. Tiens. Ok. Enregistré. On va couper le son. Tu te tais. Je me tais. Là, je suis sur... Hop. On va basculer sur Zelda. Toi qui mouline comme ça? Putain. Tu vas me porter la poisse, tu me fais mouliner là, c'est la Switch. Ok. On est bon. Je suis d'avoir vidé plein de têtes, récupérer la santé, ça va, ok. Ouais, c'est des... C'est des... des patchs de triche. Je vais sortir l'épaule. C'est dégueulasse pour certains. C'est ma cicatrice de... Alors, on va tester la technique de Calmandris pour faire ce labyrinthe. Ok, on va monter. Alors, il faut monter. Forcément, qu'on a de l'endurance. Et que la pesanteur est plus faible. Attends. Non. Je peux récupérer mon endurance. Ok. Ben on apprendra tous les jours. On apprendra tous les jours. En tout cas, j'étais très déçu parce que moi, j'attendais beaucoup. J'étais online en tant que joueur de la première heure de GTA. Et bah, c'est pas ouf, quoi. J'aurais voulu pouvoir être... que les autres joueurs me foutent la paix ou quoi. Et tu te fais spammer par des espèces de casse-bonbons. Et malheureusement, ouais, ça gâche, je trouve que ça gâche. Attends, je vais changer de bouclier aussi, ça aussi ça gâche. Ok, on y est presque. Ouais, les serveurs... comment dire... Les serveurs RP et tout, ouais. Oui, il faudrait l'occasion, mais il faudrait que je le fasse, mais... Écoute.
Hop, on va mettre une balise. Ok. Ah bah c'est la mulette, alors. Ok. Alors, on faisait bugger la PS4. Alors non. Attends, quand je joue en session publique, je ne trouve plus cette version archi-carcérigène. Ah ouais, ok. Bah tant mieux si c'est... Si c'est mieux maintenant. Ok. Allez, Eda. Ça a toujours, ouais. Allez, le courant d'air. Bon. Red Dead Online est gratuit, ok. Alors apparemment Red Dead 2, je l'ai pas. Red Dead Online, je l'ai pas touché mais du tout vu la mauvaise expérience que j'ai eue avec GTA. Mais Red Dead reviendra sur la chaîne aussi. C'est un jeu que j'avais apprécié faire. J'aurais voulu refaire le 1 parce que là je ne l'ai jamais fait. Mais tant pis, on se fera le. On se fera le 2. On se refera le 2. De toute façon, je l'ai fait de... je l'ai pas fait depuis longtemps. J'ai fait une session de Red Dead hier. Des petits niveaux venaient me faire chier. Ok. Ici, il y a 2-3 mois. Ok. Téléporter. J'ai dit téléporter. Ah, ça y est. Ouais, mais oui, Red Dead a dissuadé beaucoup de jouer parce qu'il était plus lourd. Alors. Dans l'autre sens. Ok. Et 2-3. Petit affaire rage kit. C'est bien. C'est bien. Défense les petits. Montre-leur. Je peux pas avoir un vrai courant d'air. Mais tant pis. Je voulais la faire à la réglo, mais. Bah écoute, avec grand plaisir. Et je suis encore pas dans le bon sens. Bon, j'y joue sur Play 4, moi. Alors. Et de 4.
Oui, sur PS, ouais, j'ai joué sur PS4. Ouais, je t'accepterai, bien sûr, avec grand plaisir. Ah, voilà. Ok, tout va bien. Ça fait 6 mois que tu m'as... Ah ouais, mais là, ça fait... J'ai pas ajouté la PS4. Faudrait que je regarde. Excuse-moi, j'ai pas fait attention. J'y touche pas au... Moi, le multi... Ça se voit, hein. Ça se voit que je suis un joueur multi. Cette position me grossit, je complexe. Allez. France. Alors, on va se mettre la tenue pour y voir. Et on va voir un golem max en bas. Ok. Ah bah il est là. Hop là. Une Lumos. Ouais, plus simple. Alors, bien joué. Ah. Hop là, ouf, ça fait mal. Alors. Eh merde, je joue comme un pied. Allez, voilà. Non, vas-y. Allez. Voilà. Hop.
Ah. Ah, shit. Voilà. Ah. Ok. Hop. Il faut savoir viser, c'est chiant. Voilà. Voilà, c'est bon. Et mon épée de légende est toujours pourrie. Chier. Sélection. Donc je vais ajouter à une autre arme, ça m'emmerde. Bon, eh ben c'est fait. Et on va se faire le troisième et dernier labyrinthe. Avec mon joli baggy là. Ok. Ce qu'on va se faire, c'est qu'on va jouer jusqu'à 15h. Et on va s'arrêter là après. Ouais, c'est des lampions. Ça me permet de... C'est des tenues mineures. J'ai des ampoules sur les épaules et tout. Ça me permet de voir dans le noir. Le masque spectral. Ouais, ce superbe masque spectral. Du plus bel effet. Et il nous manque plus que la tenue spectrale qu'on va aller récupérer. Là, ça fait un peu SM là. You touch my tralala. Donc on a fait ce labyrinthe là. On a fait celui là. Et le troisième se trouve. Le troisième labyrinthe, il se trouve où? Il se trouve. Se trouve là. Donc on va se faire le troisième labyrinthe. Donc les labyrinthes sont en trois étapes. Un labyrinthe au sol, un labyrinthe dans les airs et la dernière partie au sous-sol. Ça c'est clairement à Yiga. Ouais, hop.
Je suis occupé, messieurs. Alors oui, il est pas ultra beau, mais bon, il a quand même de la gueule. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter là-dessus. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ça va faire prendre de la hauteur, et après on va pouvoir planer jusqu'au labyrinthe. D'ailleurs, on va prendre la tenue de planage. Combinaison en chute libre. Le masque de chute libre. Et le pantalon en chute libre. J'ai pas le pantalon en chute libre ? Ah si. Alors. Là, il y a 5 heures en bas. Je l'ai pas fait en plus. On ira se le faire après. Ok, joli clipping qui te fait apparaître la grille. Yeah. Sur les bouts de bois, j'imagine. Alors, c'est un coup de sac. J'aurais peut-être dû commencer depuis le départ. Ok. Ouais. Ah ah! Ah ah, pas non. Loupé. C'est pas ça. Allez. Le chat, allez, reviens.
suis perdu. Je suis perdu. On va éteindre ça. Hop là. On va peut-être le faire depuis le départ. Bon. On va essayer de monter. Escalade. On peut monter, on peut monter. Allez. Celui-là, il est pas trop haut. Hop. Qu'est-ce qu'il y a mon chat? Mais où est ma crapule? Bon. On va se mettre à l'entrée. Où est mon chat? On va peut-être avoir des indices. Aïe! Alors, premier jour de recherche, il a fallu 2 jours pour atteindre cette île perdue, des ruines étaient droit devant nous, nous sommes épuisés. Professeur Toro a tout de même trouvé l'énergie de chiffrer la gravure sur nos pierres lorsque le cercle dragon au plus profond du labyrinthe s'est réveillé. Ok. Même à contenir mon excitation. Faut donc explorer sans lui. Reste devant moi. À l'aide de glands et de fruits d'azo, je vais marquer le chemin. Pour ne pas me perdre. Ok, des glands et des fruits d'oiseaux. Alors, gland, fruit d'oiseau. Ok. Ce serait par là. Alors. Ok.
Oh là là. Ouh. Ah mais je suis con, je peux y aller à pied là. Ok. Ok, j'ai trouvé le deuxième gland. Deuxième jour de recherche. Alors, sans précaution, je vais ne pas faire contaminer par le miasme qui pue ici. Il suffit en effet de toucher pour que le corps. Ok, ça c'est bon. Pour ce taureau, ne fait pas rester dans l'état. Là, j'ai rien là. Ok. Ok. Ouais. Est-ce que c'est par là? Non, c'est juste une épée. Par contre, attends, niveau épée, je suis comment moi? Je peux dégager ce bout de bois et au moins récupérer ça. C'est toujours ça. Ok. Et on y est. Bon, ça va. Donc, première étape. Je retrouve les hop. Et là, on va faire cette étape-là. Il va nous dire d'aller dans les cieux. Alors, papa, papa, papa. Voilà, faut monter. Il y a pas un petit coffre par là. Il y a un sanctuaire. On va se faire sanctuaire. Ok. Et on est sur une bénédiction. Cool. Ça se fait rapido. Un petit coffre. Ça va nous permettre d'avoir de l'énergie pour monter. Et un petit quart d'écart. Voilà, une lueur de bienfaisance. Oh, attendez, j'ai pas étalé la lanterne de mon téléphone. Ok. Donc deuxième partie du sanctuaire, du labyrinthe. On va voir s'il n'y a pas un passage dans les airs qui pourrait nous permettre de nous rapprocher. Alors. Ok, il faudra que j'aille là.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire déjà le sanctuaire qui est en bas là. De la map qu'on connaît pas trop. Donc on a pas trop fait encore. Ok. On va se téléporter, voir si on peut pas augmenter un peu nos batteries. Descends de là, toi. Descends de là, j'ai dit. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le pouvoir de la flottaison. Ok. Et je pense que je vais couper cette corde là. C'est ça. Ah, ok, c'est fixé. Moi, est-ce que... Aïe! Eh merde. Ok, on va reprendre la boule. Ah, pour dépasser. Ouais. Si je fais ça. Que ça flotte. Alors shooter.
Ok. Une grande baguette magique. Ouais, je vais pouvoir virer ça. T'as le son de Windows qui bug. Chez moi, ça bug ou chez toi? Son de Windows qui bug dans le jeu. Bizarre. Son de oui. C'est-à-dire, attends. J'ai rien chez moi, c'est bizarre. Attends, ce qu'on va faire, c'est quoi? Ouais. Je vois pas d'où ça peut venir en fait. J'entends rien moi dans mon retour et j'ai écouté le replay, ça avait l'air de... Ça? Non, je sais pas. Ah! Quand j'active le pouvoir, ok, mais c'est, ça vient du jeu, ouais. D'accord, tu m'as fait peur. Il m'a fait peur. Donc on disait, on va se faire. On va se téléporter dans les airs. Oh putain, le prochain sanctuaire est le plus proche, c'est quand même pas à côté. Et on va prendre un véhicule et y aller. Deuxième partie du labyrinthe. Ça va faire 5 heures qu'on est en live et après je commence à avoir faim. Un petit plein de... Alors... On va se faire... un petit véhicule. Ah, il me faut deux ventilos, un guidon. Il
Maintenant, on va faire tac, reproduction. Est-ce que j'en ai pas mis un en favori? Ben non, je suis con, je l'ai pas foutu en favori. Non. Bon. Alors. Ça. Comme ça. Maintenant, attends, est-ce que je l'ai au favori? Ouais, alors, dans les favoris. Alors, arrête de s'emmerder, hein. Il est là. Eh, on se rapproche. Entre, ça fond comme neige au soleil, ces orbes-là. Je vais devoir bouffer. Voilà. Ça devrait suffire pour aller jusqu'au bout. Il est pas super droit, mais il marche. Petit problème de parallélisme. On va y arriver là quand même. Puis au pire, je planerai jusqu'au bout, hein, attends. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement par le toit pour au moins poser la balise. Ok. Wow, déjà posé la balise. Merci Calandris pour cette astuce pour faire le labyrinthe de façon facile. Ok. Alors. On pose une balise. Voilà, maintenant on va activer le labyrinthe. Ok. Ok. Ça c'est fait. Deuxième partie. Sur le sanctuaire gentiment.
Saut périlleux. Ok, wouh! Ok. On sait du micro-machine. Il te montre que tu peux rouler sur tout. Ah. Shit. Ok. Ok, à tout à l'heure. On va passer par là, ok. Ouf, pas passé loin ça. Ça c'était cadeau. Tourne, 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 tourne. Alors, cela fait. Il repop. Non, on va pas le repopper. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. On est passé. Est-ce que ça passe au travers des murs? Ah, bon coup, c'est cool, il y a un coffre là. Changer celui-là. Ok. Ok. Ça c'était cadeau. On va les mettre. 2-3 fusées aux fesses. Je pense qu'on va bien décoller.
Oh 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 la Batmobile. Ta ta ta. Ouais. Aïe. On est passé. On peut faire du micro-machine, hein. Ah. Allez, deuxième labyrinthe, et puis on va s'arrêter là, parce que je commence à tirer un peu la langue et avoir faim. Parce que ouais, ça fait... Dans 2 minutes, ça fera 5 heures qu'on est en live. On active le labyrinthe. Ouh. Oh. Allez, ouvre-toi. Nous, on va se téléporter directement sur le toit. Non, on va se téléporter directement là. Voilà. Et on va aller récupérer par le dessus les balises. Alors. Hop. On va faire celle du coin pour le moment, ça va être le plus simple. Là, il y aura un Korogu à faire juste après là. Non? Allez, petit courant d'air. Allez, remonte-toi. Bon, tant pis. Téléportation là, téléporter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Korogu, téléporter, autre côté. Plus simple. Alors, c'est un peu fastidieux avec le temps de chargement, mais... Hop, allez. Allez, cours où ? Voilà. Téléportation. Deuxième balise. Hop, le coin. Ça, on est dans la bonne direction, c'est bon. On va se jeter là.
Deuxième balise. Plus que deux. Carte, on se remet là. Et bis repetita pour les deux dernières. Cette fois-ci. Ok. Ça doit être... Je dirais là. Ouais. Alors là, c'est un coffre. Ouh. Je suis pas de mon côté. Peut-être par là. Ah ben, bah. Ah, je te suis. Ok. Ok, j'étais pas loin. On se re-téléporte et on va au dernier. C'est Link, Link version forfait de ski. Ça va Link? Ça va. Ça va. Hop, ok, elle est tout au bout. On va sauter. Tac. Ok, alors. On y est presque, c'est par là. Oui, je tourne la tête, oui. Donc ça doit être là. Ouais, c'est ça. Hein. C'est dans le coin, ok, ça doit être là. On est dessus. Allez, et le dernier. Oui, pas du tout. Pas du tout. Et voilà, donc et maintenant on va faire la dernière partie avec le boss. Encore une fois, merci à Calmandris pour ce tuyau. On lui fait un petit SO des familles. Il est où? Ouais, t'es pas sur le chat? Ok. Bon. Téléportation. Ça fait trop longtemps que t'as pas parlé, du coup je peux pas te faire de SO. T'es trop loin à chercher. Tampi. Ok, donc maintenant on peut aller faire le boss. Aucun obstacle ne t'empêchera plus de rejoindre les profondeurs de la Terre depuis le labyrinthe terrestre. Preuve que tu possèdes le courage de plonger. Prouve que tu possèdes le courage de plonger sous la surface au plus profond de la Terre. La voie finale t'est ouverte.
Allez, on descend. On va faire comme la dernière fois. On va se mettre la tenue du mineur histoire de voir quelque chose. On va foncer dans l'obscurité et on va récupérer donc la dernière partie de la tenue du démon. Donc la tenue du fantôme de Ganon. La tenue spectrale, pardon. La tenue de Ganon dans... Okay, enfin, du fantôme de Ganon dans Ocarina of Time. Là, il y a des... Des esprits. On prend. Un golem, donc il va me filer un peu de trucs, c'est cool, merci. Une batterie. Elle est où Jean-Micheline des... Pourquoi j'ai pas... Il me manque un sage. Bah, au coup, j'ai échappé belle. Hop, alors. Là, tu l'as pas volé. Voilà, t'inquiète, cette première attaque, voilà. Hop, aïe, aïe, aïe. Merde! Allez. Surtout m'aidez pas les copains, hein. Merde. Ah. Ah. Et mort. Et j'ai toujours pas upgradé mon épée parce que je m'en suis pas servi.
Ok. Est-ce que je peux user mon épée comme ça? Bon. Tant pis. Alors... J'avais déjà un truc genre ça, mais ça c'est... Ah, je peux pas. Bon, déjà ça. Ah bah t'as, il y a une... Qu'est-ce que tu fais là toi? On sait pas. Une flèche qui s'est perdue. Et on va récupérer le coffre. Hey, c'était donc le troisième labyrinthe. Et j'ai maintenant la tenue de Ganon complète. Donc on va l'enfiler. Hop, ça s'ouvre. Et voilà. Hop. On va l'enfiler. Il faut que je mette start. Et voilà. Pas beau le Link démoniaque. Il a la coupe de Ganon et tout. Hein. Bon, un peu modèle réduit pour Ganon. Mais bon, on y est. Hein. Voilà. Il en a pas comme ça. Allez, nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Ok. J'espère que vous avez passé un bon moment. On va lancer un petit raid qui... Eh ben tiens, on va aller raider chez toi. On va aller chez Hyperion. Hop, on va lancer le truc. J'arrive pas à tout faire planter. Ouais, c'est bon. On va te lancer le petit raid. Et puis moi, je vais aller manger parce que j'ai faim. Hop là. Ok. On lance le petit raid chez Calmandris. Et puis on sera pas mal. Mais en plus il reste sur du Zelda vu qu'il est sur Oracle of Season je crois. Ouais c'est Season le rouge. Donc voilà, on reste un petit retour en arrière et puis moi voilà, je vous souhaite passer un bon dimanche, une bonne fin de dimanche, de profiter, de vous amuser, de retirer vos piles de vos consoles et surtout d'en profiter. C'est le rétro c'est fait pour jouer et pas pour rester dans des boîtes fermées. Je sais, il y a des boîtes derrière moi. Vous n'avez rien vu. Surtout voilà, amusez-vous bien, profitez de votre dimanche, bon courage pour la semaine, nous on se retrouvera vendredi pour un prochain live, toujours sur du rétro et du Zelda, et puis après on enchaînera, voilà, amusez-vous bien. Ciao les copains. Et puis oubliez pas, ah, des conneries, mais oubliez pas. Moi quand j'ai envie de me reposer ou de décompresser, je fais de la vara, ou alors de la marche, de la bicyclette, ou bien je fais du karaté, du tai chi. J'améliore mes coups francs, je fais du skateboard, du snowboard, du windsurf, du baseball ou bien du football. Je fais du piano, de la peinture, je lis, j'écris, je compose. Je regarde des vidéos, des dessins animés ou des films d'action, ou tout simplement les infos. La drogue peut te tuer. Et quand il existe autant d'activités dans la vie, pourquoi est-ce que je me droguerais? Pourquoi est-ce que tu te droguerais?